Salut à tous, moi c'est Cédric, Kelly et Alia et aujourd'hui on vous emmène à partout. D'arriver au Portugal, on va aller faire les services tout de suite, puis après direction Porto. Et voilà, on vient d'arriver à Porto. Je me suis garé là. On reçoit un parking sur une petite résidence. Un parking sur une petite résidence, on risque pas trop d'être embêté, je pense. Puis on n'est pas trop mal. Oui, une résidence là, ça va. C'est pas le ghetto quoi. Parce qu'il y a beaucoup de spots sur Park Fortnite si vous allez un peu. Si vous avez été ou si vous allez voir sur Park Fortnite, si vous allez voir les. Je vais y arriver, hein, là je suis fatigué. Je viens de me taper quand même. Pratiquement 8 heures de route entre Saint-Sébastien et ici. J'ai été refaire les niveaux d'eau, les services, tout ça. Plus le gasoil, donc ouais, là je suis un peu fatigué. On a fait une petite sieste, là je viens en sortir. Du coup, je reprends. Ouais, sur Park Fortnite, si vous allez voir, vous verrez qu'il y a beaucoup de spots sur Porto qui sont comme dans beaucoup de grandes villes, hein, on va dire, hein, mais qui sont très mal notés parce qu'il y a eu. De la casse, hein, du cambriolage, des vitres cassées sur les camping-cars et compagnie. Alors, nous, perso, on a déjà fait l'expérience l'année dernière à Venise, comme vous avez déjà vu sur les vidéos. Donc je vais éviter. Donc je me suis mis là, bon, c'est un peu plus reculé. C'est à Vila Nova de Gaia. Mais c'est bien, c'est calme. Donc on espère qu'on n'aura pas de problème.
Bon voilà. Bon bah là on va aller se préparer, puis on va aller faire un petit tour à Porto. Parce qu'on l'a bien mérité. Allez, je reprends tout à l'heure. Bon alors là niveau météo, je pense qu'on est au-dessus du soleil. Non là il fait très 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 chaud. Pile qu'on espère. Ouais, on arrive même pas. On est aveuglé quoi. Donc ouais parce que là en Espagne hier ils nous ont gâché notre soirée à Saint-Sébastien. C'était très joli mais hier on voulait aller faire un petit tour au soir et il a fait que de pleuvoir toute la nuit, c'était n'importe quoi. Et on se disait d'ailleurs je le dis je crois dans la vidéo précédente ou la vidéo d'avant, je sais plus, enfin bref. J'espère qu'on va mourir de chaud au Portugal, ben ouais ben je crois que ça y est là on y est. Là niveau chaleur on est bon. Hein? J'espère dans le parc il va faire aussi chaud. Ah mais le parc c'est pas pour maintenant le parc. Le parc ça sera quand on retournera en Espagne. Ce sera au retour. Bon allez, là on va rattraper le métro. Allez, nous voilà arrivés à la gare de São Bento, enfin la gare São Bento à Porto. C'est pas une tuerie cette ville quand même. Ah, j'adore cette ville. Tellement de choses à voir ici. On va aller voir l'intérieur de la gare déjà. Pas, on va tous les faire. Là on est dans le vieux Porto et après on va aller sur la Riviera. Il y a la rue Sainte-Catherine qui est de l'autre côté. Ouais, je connais un peu de Porto, j'aime bien. Bien. Il y a tout ici, il y a le téléphérique, il y a les balades sur le Douro, les tuk-tuk. Et surtout, il y a la super bock. Mignon, hein? On vient de grimper, je suis crevé. Si vous vous demandez pourquoi j'aime autant cette ville, regarde comme c'est beau. Ah, c'est électrique. Allez!
Oh Alia, c'est quoi ça? Un canard. Oh, il est magnifique, c'est une magnifique glace. Tu vas tout manger là? Oui, on va goûter. Ah, tu vas tout goûter, ouais, tu vas tout manger. Maman va goûter toi. Ah, maman, elle va tout manger, y a pas de problème, je connais. J'ai déjà commencé. Elle a déjà commencé, regarde. Kinder Bueno là. Ouais, moi par contre, c'est soft. Hein. Ouais, j'ai surtout chaud. Ça c'est la bibliothèque. Quoi? La queue elle est là. Ah oui, j'avais pas vu. Tu sais, il y a moins de monde. Ouais, il y a moins de monde. Il y a toujours une foule incroyable pour aller voir ça. La foule, je sais pas si vous voyez, mais la queue là. Tout ça. La file d'attente, ah, ouais, parce que la queue ça va prêter à confusion. Et ben, surtout qu'hier j'avais pas de slip. La file d'attente, et ben, ils vont tous voir ça en fait, la bibliothèque, parce que dedans il y a les escaliers du film Harry Potter, je crois. Alors on se contentera d'une petite image d'internet, hein, parce que je vais pas payer, hein, puis pas attendre tout ça moi. Ah, c'est vraiment sympa pour tout quand même. Regarde, c'est beau. Hein. Ah ouais, ouais. Tu vois, tout le monde dit Lisbonne, mais ici aussi, tu vois, il y a le vieux tram, tu vois. Alia, elle fait plus la tête. Ça va beaucoup mieux depuis qu'elle a acheté des lunettes. Tu vois mieux? Ah ouais. Est-ce que là tu vois mieux, franchement? Là c'est des lunettes de soleil quoi. Oh là, c'est magnifique. Avec des formes de cœur et tout. Ouais, c'est ça que je cherchais. Ah ouais. Non, c'est pour les grands, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Toi, tu vas grandir. Hein. Ouais, de toute façon, on trouvait pas. Alors, comme ça, je les aurai quand je serai. En direct de l'Angleterre. Abonnez-vous. Et ça, c'est la mairie de Porto. Enfin, ça s'appelle pas vraiment une mairie, mais bon, c'est l'équivalent d'une mairie. Ça c'est le plus vieux café, je crois. Un truc historique, c'est le plus vieux café de la ville. Il y a la rue Santa Catrina. On est dans la rue la plus commerçante de la ville. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des batteries lithium et du port de lunettes en forme de cœur. Ça me va bien, putain. Non, ça ne me va pas bien. Si, ça me va bien. Regarde un peu ce look. Mais j'ai pas mes lunettes.
Ciao. C'est tout ce que t'aimes, toi, les centres commerciaux, en fait. Elle boude. Oh là là, elle boude, elle boude, elle boude. Elle boude, la star. Elle boude parce qu'en fait elle veut faire du shopping, on lui a donné des sous, mais en fait elle veut pas les dépenser. Il faut qu'on achète tout, comme ça elle garde l'argent. Bon, je vous le filme, mais vous savez peut-être pas lire le portugais. Puis je vous traduirai par la messe parce que bon non plus. Et voilà, peut-être le plus bel endroit de Porto, c'est peut-être là. Enfin, moi j'aime beaucoup cet endroit. Hein ? Les téléphériques, ils sont de l'autre côté. Regarde, on les voit là-bas. Tu les vois là ? Tu les vois passer ? Tout en haut. Ah, forcément, c'est tout en haut. Il est où ? J'ai loupé. Les cabines téléphériques et de l'autre côté il y a le funiculaire. Côté Porto funiculaire, côté Vila Nova téléphérique. En photo? Hein? Non. On va pas tomber là-dedans. Non, mais ça va. Voilà, elles sont arrivées. On est quand même bien alors.
Ah, on est quand même bien. Hein? Oh, toi, tu te régales. Attends, je vais goûter ça. Tu vas manger. Ah, vas-y, goûte. Alors? Est-ce que c'est bon l'œuf avec la viande en même temps? Ouais, je vais en faire l'œuf avec du ketchup là. Ah, bah, avec du ketchup. Et nous, on a pris quoi? Les Francina. Non, ça vient pas de la mer. C'est l'espèce de croque-monsieur avec une sauce à la bière et je sais plus quoi d'ailleurs, au Porto je crois. Porto et bière, je suis pas sûr. Et dedans il y a du steak, il y a une saucisse je crois aussi. Enfin, c'est typique d'ici en fait. C'est trop bon. Il y a du fromage, la sauce, le steak et du porc, la saucisse je crois. C'est vraiment typique d'ici, c'est super bon. Bah franchement c'est une tuerie hein. Ça a volé hein. Et vous passez à Porto, parce qu'il n'y a qu'à Porto, c'est pas dans tout le Portugal que vous trouverez ça, il n'y a qu'à Porto que vous trouverez ça. C'est les Francina. Et en fait l'histoire, en gros, c'est un Portugais qui est venu manger des croque-monsieur en France et qui a revisité ça ici. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Je suis pas non plus historien. Je suis pas Philippe Estebèche non plus. Mais bon, voilà, en gros, c'est ça. Franchement, si vous venez, c'est une tuerie. Non. Il est là le funiculaire. Ouais, il est bien plus moderne que Saint-Sébastien, non? Oh. On vient de remonter. Assez éprouvant après avoir mangé quand même. Et là on est devant les jardins de Gaïa, regardez le monde. Devant les jardins de Gaïa. Un monde incroyable. Ah ouais. Regardez-moi tous ces abonnés en furie. Regardez. Ah ouais, je sais. Arrêtez d'applaudir, c'est bon. C'est bon, c'est moi la star de YouTube. Allez, je vous refais une vidéo demain. Attends, à la fin de la vidéo. Attends, je vais faire la fin de la vidéo.
Allez, meuble là parmi tous les abonnés. Allez, nous on rentre parce qu'on a une journée super fatigante. Donc on rentre au camping-car et demain on reste à Porto, on va continuer à visiter parce qu'on aime beaucoup Porto. Regardez l'ambiance. Tout ça pour une trentaine de vidéos que j'ai fait, c'est incroyable. Bon allez, sur ce je vous dis à bientôt, on vous fait des bisous, à la prochaine vidéo. Au revoir. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.